chrétienne dit l'islam comme votre religion, c'est-à-dire soumission et obéissance à ma volonté. Dieu n'a nulle part dit j'ai choisi le christianisme comme religion, j'ai choisi le judaïsme comme religion, j'ai choisi le bouddhisme. Mais si le bouddhisme est religion, Bouddha lui-même était qui, se soumettait à qui? Si le christianisme était religion, est-ce que Jésus était chrétien? Non. Jésus était un musulman. Ça ne veut pas dire qu'il était adepte de Muhammad. Non. Il était quelqu'un qui se soumettait à la volonté de Dieu. Et cette volonté de Dieu qu'il était venu enseigner a trouvé sa forme parfaite et définitive avec l'avènement de Muhammad, la paix de Dieu soit sur lui. Et après Muhammad, il n'y aura plus de prophètes ou de messagers jusqu'à la fin des temps, comme il l'a dit lui-même. Et cela est confirmé dans le Coran, dans la Bible et par la raison résonante, du moins pour ceux dont les paupières de discernement ne dorment pas. Salam alaikum. Ça dit que Moutakala veut dire quoi? Prophète Muhammad, qui m'a dit que c'est un colonnaïe, à l'obéna Ngongawana, beaucoup de monde a basi bazo tambola, balati bilamba, mais baza mitakala. Ça veut dire quoi? Ça va, merci. Question qui toque. Question qui toque. Longonia. Question qui toque, Openda. Oyo Kiango, Likambo, frère, bon, cher, vous allez répondre. Omoni est là, Likambo, où tu es là, frère? Et ça, Likambo est solo. Parce que Bissomoko, Tolobakayango. Makelele, s'il vous plaît. Micro. Nyos eza go kufa. Andis ya rosufa na sana mistibani. Eh? Andis ya rosufa na sana kola chakarim. Tam si sa rosolo la dawa min amma. Zungi la imma ba yida harro mashe. Harro mkhama na ho. Bimana taloko rosufa la kun zamba indi keno mbile. Ash. Hadu. Habu. An. Hai. An. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Love. Love. Wa. Wa. Dawu. Dawu. La. La. Sharika. 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 Love. Love. Wa. Wa. Ash. Ash. Hadu. Hadu. Anna. إن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه حديث الصحيحين قد سمعت مدن أمبر حرم التبرج حرم الوسائل التبرج من ضمن هذه الوسائل الملابس رسول Rasul. Rasul. Luhu. Luhu.
Voilà, donc on commence à aussi vos tatou là. C'est pas un monsieur. Arabina tatouli, il y a un colo moussous, soit sengé dans ma bande de l'air, zalité, à part Allah, vous avez sali molo, sambo, ma gueule, sambo. Et ça, ben a dit, c'est un tatouli, sali bongo, bento, ma zambé, talandé, basta, ma zolango. Mais la oui. Tatouli, Micro. Hein? Bismillah, bismillah. Micro. Mmh. Tu as volé mes chers et bien. Bon, bismillah. Comment banga? Bismillah. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kende, continue, continue. Vas-y. Nous remercions Allah qui a donné à notre frère Robert le courage de venir poser cette question. Ça fait partie donc de ce qui se passe réellement dans la communauté. Vous savez, notre Seigneur Allah qui nous a créé n'a rien lié dans le Coran. Parlons donc des transactions, du commerce. Allah, quand il a rendu illicite l'usure, il a rendu le commerce licite. Mais quel est ce commerce qui est licite? C'est le commerce de ce que Allah lui-même a rendu licite. C'est le commerce que le prophète Muhammad sur une paix et bénédiction nous a enseigné qui est licite. Et c'est ce commerce-là qu'Allah a permis, qu'il a autorisé. Et c'est donc en faisant ce commerce-là, peu ou beaucoup que tu auras donc ce que tu trouveras, il y aura la bénédiction. Faire le contraire de ce commerce, c'est-à-dire un commerce qui n'est pas autorisé ou permis par Allah ou par son prophète Mohammed sur le pays bénédiction, même si tu trouves de l'argent, c'est un commerce maudit. Parce que le prophète Mohammed sur le pays bénédiction nous dit dans un hadith de source authentique, il dit « Inna Allah, certes, Inna Allah iza harrama shay, harrama thamanahu. » Si Dieu interdit quelque chose, il interdit également son dû. Ou les bénéfices qu'on ou le bénéfice que l'on tire de la vente de cette chose-là. Par exemple, l'alcool. Par exemple, la cigarette. Par exemple, tout ce que vous connaissez comme haram. Ces vêtements. Ces vêtements que vous voyez, vous n'allez pas me dire le contraire. Même ceux qui vendent ces vêtements savent qu'ils ne pourront jamais donner ces vêtements à leur femme ou à leur fille. Ils savent très bien qu'ils sont en train de contribuer à un mal. Dépravation des mœurs. À la dépravation des mœurs. Dallu ala al-khair kafa'ilihi wa dallu ala al-shar kafa'ilihi. Celui qui conduit les gens vers le mal a également la récompense de ce mal. Et celui qui conduit également les gens vers le bien va aussi en tirer profit. Nous n'allons pas ici cacher la vérité de Dieu. Mais rappelez aux frères, comme nous l'avons dit, qu'adviendra un jour que nous serons face d'Allah.
Il nous demandera compte de nos moyens, de ce que nous avons eu. Comment on a eu ça? Si c'est dans la vente de ce que les filles sont en train aujourd'hui de porter, elle sait qu'elle porte, son corps sera dehors. Ça fait partie des antivaleurs. Même la raison humaine ne peut pas accepter. Elle est obligée de se promener chaque fois avec sa mère derrière. Elle sait. La harora quwata illa billah. C'est un péché, les frères qui le font. Et s'ils n'arrêtent pas, qu'ils sachent que c'est vers Allah d'abord que nous ferons retour. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est sévère en punition. Le commerce est béni, un commerce qu'Allah a rendu ici. Et ce que le prophète Muhammad sur le paix nous a enseigné. Mais un commerce qui pousse la société vers la dépravation des mœurs, vers la destruction des la perte même des qualités morales. Ce que nous sommes en train de constater, ça et là. Et vous n'allez pas me dire le contraire quand j'ai parlé des 15. J'ai dit, si nous prenons le cas de 15 filles, c'est un exemple. On prend 15 filles ou bien on regarde 15 filles qui vont passer, nous allons trouver juste une seule qui va s'habiller décemment. Mais le reste, c'est de la bouillabaisse pure et simple. De n'importe quoi. Et je suis d'accord avec vous que ceux qui vendent, non seulement c'est des musulmans, parce que ces habits-là viennent de la Chine, il y a donc un complot. D'un côté, c'est nos parents de la Chine, de Hong Kong, de Jakarta, qui veulent détruire le monde, et de l'autre, ceux qui sont tentés. Pour eux, l'argent n'a pas de couleur, comme a dit mon frère Cheikh Hamid Elinga. Pour récapituler, nous disons simplement à ses frères de regarder le commerce qui va plaire à Allah, qui va plaire à notre Seigneur, pour qu'ils aient également la bénédiction dans le peu ou beaucoup d'argent qu'Allah va leur accorder. Parce que avoir beaucoup d'argent ne relève que de la volonté de Dieu. Avoir peu d'argent ne relève que de Dieu. Même si aujourd'hui on pense que c'est ce commerce qui est rentable, personne n'aura jamais l'argent, beaucoup d'argent, sauf par la permission de Dieu. Et c'est ce que Abdullah ibn Abbas a reçu comme enseignement de la part de notre prophète Muhammad sur lui et l'émission. Parlons donc effectivement des gens, même si les gens s'asseyent, décident pour t'accorder le bien, pour te faire du bien, ce bien jamais ne pourra te parvenir sauf ce que Allah avait écrit pour toi. Mais c'est la mauvaise volonté de ne pas comprendre ce que Allah veut de nous qui pousse les hommes vers la déviation du droit chemin tracé par Allah, enseigné par le prophète Muhammad sur lui paix et sur tous les prophètes. Voilà légèrement la première partie et certainement le frère Abdoul a un ajout. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frère, nalo bana lingala. Salam. Il a choisi. Omoni frère d'ailleurs to kumisi nzambe ndenge pe frère autai koloba. Na ndenge apesio likanisi wana ya roya butuna parce que za likambo to sola kango tout le temps. Ça fait pitié. N'a pas mélangé lingala na français. Ça fait vraiment pitié. Parce que ceux qui vendent ce genre de vêtements qui exposent les corps de la femme ou de la fille, qu'elle soit musulmane ou chrétienne ou non chrétienne ou non musulmane, contribuent en réalité à la dépravation de mœurs de nos sociétés. Et toutes les fornications ou adultères que nous connaissons aujourd'hui sont dues à cela, soit engendrées par ces vêtements-là. Parce que vous savez, en commençant par Jésus-Christ, la paix de Dieu soit sur lui, Jésus dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Oya kota la mwasi na tina na mokano ya kolinga ya kolula aye ba ete asia sali ekobo na ye na kati ya motema na ye.
Mais qu'est-ce qui pousse un homme à regarder une femme dans l'intention de la convoiter dans notre société actuelle? C'est lorsque la femme est habillée d'une manière indécente. Parce qu'en réalité, vous devez savoir, selon la sagesse de notre prophète Mohammed, ce n'est pas vraiment la femme qui pousse l'homme à commettre l'adultère, mais c'est plutôt le corps de la femme qui pousse l'homme à commettre l'adultère. La femme peut passer devant nous si elle est bien habillée. Nous pouvons même avoir peur de l'aborder. Si elle est bien habillée, décemment habillée, comme le veut la tradition des prophètes, nous pouvons même avoir peur de l'aborder. Mais si elle passait devant nous avec un jean ou un cerf collant qui expose tout son corps, c'est fini. Même si elle est laide de visage, mais si seulement on regardait son corps, on peut se laisser attirer parce que le diable est là. Alors à quoi sert que quelqu'un puisse se dire « Moi je suis sunnite » ou « Bon, n'assemble la mosquée à Sunna, je prie dans la mosquée Sunna là-bas. » Tu pries dans la mosquée Sunna, mais tu as une boutique remplie de vêtements qui contribuent à détruire toutes les vraies valeurs morales de l'humanité. Comment expliquer ça? Vous avez laissé pousser la barbe, vous portez une barbe avec une soutane, tout le temps vous êtes là à la mosquée, mais dans votre boutique, vous vendez des vêtements qui contribuent à la destruction totale des valeurs morales de l'humanité. Comment expliquer ça? Crime. C'est crime, c'est un crime. Vous êtes à la mosquée, c'est pourquoi on disait, dans une tradition, on dit « Wa minan nasi man yaqra al Qur'an wal Qur'an yal'anhu ». Il y a des gens qui lisent le Coran, mais le Coran les maudit. Tu es dans la mosquée, tu lis. Je suis un sunnite, tu lis le Coran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Quand tu lis ça, tu as une boutique, ou des boutiques même, remplies de vêtements qui exposent les corps des femmes et des jeunes filles. Quand tu demandes la protection de Dieu contre Satan, Satan se moque de toi. Quand tu dis « A'udhu billahi minash shaitanir rajim », Satan dit « Regardez mon ami là, il demande la protection de Dieu contre moi, pourquoi? Pourtant il a commandé 5 conteneurs. Dans ces conteneurs, il n'y a que des vêtements qui vont contribuer à détruire les vraies valeurs morales de l'humanité. » Qui font route de moi? Qui viennent de moi? Et qui viennent de moi? Il a passé sa commande, c'est à moi. Et vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Quand nous passons dans les marchés, comment ça? C'est partout comme ça. Simplement parce que les gens veulent quoi? Les gens veulent les mondes. Aujourd'hui, l'homme le plus riche du monde, c'est un arabe. Mais il ne vend pas ses vêtements là. Dans le monde aujourd'hui. Qui a vaincu Bill Gates, c'est un arabe. Mais il ne vend pas ses vêtements là. Et l'homme le plus riche en Afrique, c'est un musulman éthiopien. Mais il ne vend pas ses vêtements là. Parce que les risques, ce ne sont pas les marchandises. C'est Dieu qui donne les risques. Vous pouvez avoir beaucoup de marchandises. Quelqu'un à côté de toi, il n'a rien dans son magasin. Mais toi, tu ne vends pas alors que Dieu lui permet à lui de vendre. De sorte que tu seras obligé de prendre tes marchandises et d'aller mettre dans son magasin pour qu'on les achète. Parce que le risque ne vient pas par l'abondance des marchandises, non. Alors qu'est-ce que nous avons fait nous les musulmans? Voilà ce que le frère a dit. Parce que si nous condamnons en disant que tous les bars ont été aujourd'hui construits par des chrétiens, n'est-ce pas? Mais chez moi à Kinshasa, il y avait une maman, après le mois de Ramadan, qui m'a vu passer dans la rue comme ça. Elle m'a demandé plutôt, mais Mwalim, à quand la fin du Ramadan? Moi je lui dis, maman, mais c'est pourquoi? Mais il n'y a plus de clients. Ah. Donc ce sont des musulmans qui remplissaient son ganda là-bas. Est-ce que vous comprenez? Donc la maman pleure. À quand la fin du Ramadan? Vous comprenez? Et vous verrez même certains, les jours même de la fête des Eid,
les jours de la fête. C'est seulement après la prière. Qu'est-ce qu'il fait? La première chose, c'est qu'il prend son moprima ou ngok, il ouvre. Pouah! Il boit. Ah, non, c'était dur. Il ne faut pas rire, mes chers frères. Alors, qu'est-ce que nous dit le prophète? Man asallaha yawm al-Eid ka man asallaha yawm al-Wa'id. Celui qui désobéit à Dieu le jour de la fête des Eid, c'est comme s'il a désobéi à Dieu le jour du jugement dernier. L'autre qui organise les réveillons. Donc, le jour du jugement dernier, tu dis à Allah, tu n'es pas Dieu. Quel sera ton sort? Mes chers frères, nous devons faire très attention. Dieu, le prophète, a béni le commerce pour les musulmans, mais il nous a montré un autre commerce qui est supérieur à celui que vous faites aujourd'hui. Le Coran dit, « Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. » Voilà un non-musulman qui vient de soulever un problème aujourd'hui contre beaucoup de commerçants musulmans ici. Donc un non-musulman a soulevé problème et a mouké au Ekangi et belé à ma musulman. Ma tonne ici, ma boutique, ma bilamba, ma bouzoba, ma kenzo, ma kola, ma nini, pour la nini, ma zolou kambongo. Alors que l'imam, cheikh Elenga, ou taï koloba, moukole à souka. Jamais ton collègue sans que après que Nzamba tout nabiso mituna minei. Quatre questions. Dieu nous posera quatre questions. On n'échappera pas. Personne. Et parmi ces questions, c'est la façon dont on a acquis notre richesse. Comment? Et c'était par le halal ou par le haram? Alors vous allez dire quoi à Dieu? Mais vous, comment avez-vous acquis votre richesse? Seigneur. Bon. Moi. J'ai commandé mes conteneurs de collants, de fashion. Bon, si vous comprenez cela. Mes chers frères, nous devons nous rappeler que le risque vient de Dieu. Vous savez que la plupart, surtout ici, je voudrais aussi mettre un accent particulier en m'adressant à mes frères ouest-africains. Nous connaissons vos parents qui étaient ici à l'époque, même chez nous en RDC. Ils n'ont jamais attrapé l'argent par la promotion de ces vêtements qui détruisent les vraies valeurs morales de l'humanité. Jamais. Jamais. Mais aujourd'hui, nous nous adonnons à un commerce qui consiste à vendre des histoires qui sont en contradiction flagrante avec les principes de l'islam. Mais nous-mêmes, comme l'a dit le cheikh, nous refusons de voir nos filles et nos femmes porter ces vêtements-là. Parce que nous en connaissons les dangers. Nous en connaissons les dangers. Si aujourd'hui les gens construisent des flats, mais qui les aide à remplir ces flats? Mais ce sont ceux qui vendent ce genre de vêtements. Parce que quand vous vendez ce genre de vêtements et que les hommes voient les femmes avec ce genre de vêtements, ils sont excités. Et en étant excités, ils vont chercher à concrétiser. Et où? Dans les flats. Et or, cela est toujours accompagné par la boisson, les boissons alcooliques. Donc, vous devez revoir vos calculs. Comme le cheikh l'a dit, « Inna Allah idha harrama shay, harrama thamanahu. » Si Dieu, les prophètes a dit, si, lorsque Dieu interdit quelque chose, il interdit également le bénéfice qu'on peut tirer de cette chose-là. Et imaginez-vous, vous prenez cet argent que vous avez acquis à partir de la vente de ces vêtements interdits par la loi islamique, vous prenez même cet argent et vous partez le verser dans la caisse de la Sadaqa, dans la mosquée. C'est-à-dire, vous... Mais c'est grave, c'est terrible. C'est terrible, ça. C'est-à-dire, vous vendez quelque chose qui contredit la parole de Dieu, que Dieu a interdit. Et par après, vous prenez le bénéfice de ce que vous avez vendu, vous venez encore le présenter à Dieu. Voilà mon sadaqa. Fadamu billahi min dalik. Allahumma hdina ila sirat al-mustaqim. Assalamu alaikum.
Alors je vous apporte à mon compte face à la promesse. La table est servie à son deuxième verset. Et juste peut-être à la fin du deuxième verset, le Coran vous dit ceci. Entraînez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété. Et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur. Et justement, je voulais ajouter un élément dans ce que mes prédécesseurs ont dit, justement à l'attention de mon frère qui a posé cette question. Tu es comme la voix des sans-voix, parce que la question que tu poses, il y a certaines personnes qui aimeraient aussi poser la même question, mais qui n'ont peut-être pas eu le courage que toi tu as eu. Tu es pour eux un représentant. Je voudrais te dire que dans toutes les religions qui ont existé sur la surface de la terre, il n'y a pas eu dans laquelle Dieu lui-même a révélé toutes les codes traitant en matière d'investissement, vestimentaire, en matière commerciale et même en matière. Tous les domaines commerciaux, sauf le Coran. Dans le Saint-Coran, il y a tout. Nous sommes des codes civils de milliers, des codes civils de personnes en privé en matière de succession et autres, le code des investissements, le code des pénales, tout. Dieu